Bonjour, Joanne Brossard du Relais communautaire de Laval. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre projet avec le MAPAC sur l'insécurité alimentaire et la promotion des produits locaux, on est à la ferme Forgette en compagnie de Mathieu Forgette. Alors, Mathieu, ça fait combien de temps que la ferme existe ici? La ferme ici, le kiosque, on l'a bâti, ça fait maintenant, c'est notre 6e saison. Mm-hmm. Ça fait 9 générations qu'on cultive dans l'est de Laval. Là. Quand même, 9 générations? Ben oui. Ça fait un bout. Bien, c'est surtout familial. On a les activités agro-touristiques, un labyrinthe de maïs géant avec l'air de jeu, tout ça. Un champ de fleurs pour l'autocueillette puis les photos. En plus des activités d'autocueillette de petits fruits et de courgistrés l'automne. Okay. Bien, du mois de mai, on commence tôt en mai avec nos productions en serre puis ça termine fin octobre avec les courgistrés. La terre ici, là, l'ensemble maraîcher, on cultive à peu près sur 30 hectares, là, les petits fruits, tout ça. Mais là, on a environ 1500 acres total en maïs grain, soya, le maïs sucré aussi. On en fait assez grand. En ce moment, on double toutes les productions. Là. C'est le projet des prochaines années. Là. On double les fraises, double les bleuets, double les framboises. Et quand on est allé voir tantôt au kiosque, j'ai remarqué qu'il y avait aussi d'autres producteurs. Faites-vous un petit peu comme une association partenaire? Une association, on s'approvisionne chez les producteurs locaux. Tout ce qu'on ne produit pas, bien, ça vient des voisins. C'est vraiment local, 100% local. Bonjour, en fait, grâce à Stina Voltaire du Relais communautaire de Laval, comment vous faites en fait pour rejoindre vos consommateurs? En fait, ça marche beaucoup avec Internet, là, les réseaux sociaux. La promotion passe par les réseaux sociaux. Vu qu'on fait 100% la vente à notre kiosque, on fait la promotion comme sur Internet. Alors, selon vous, quels sont les impacts positifs que cela pourrait avoir chez eux? En fait, venir dans l'Est de Laval, c'est le fun. On a de l'espace, on a des belles activités. Et en plus d'acheter des produits locaux pour manger, pour l'épicerie de la semaine, on peut venir s'amuser en même temps. Moi, je pense que ça vaut la peine. Il y en a beaucoup qui aiment ça.